Hello les filles, c'est Alexia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit vidéo sur construire sa compagnie de façon solide. Je pense que c'est quelque chose de très 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 important. Moi, je vous avouerai que je ne l'ai pas compris dès le début tout de suite et puis que je pense que ça m'aura valu du tort. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que des fois, on a tendance à s'éparpiller. On ne sait pas trop quoi faire quand on a une recrue. On ne sait pas comment ça se passe ni comment faire. Donc des fois, on fait juste rien. Puis je pense que c'est la pire des choses à faire que de laisser mourir sa compagnie, que de laisser mourir ses recrues. Donc c'est pour ça que je fais ce petit vidéo pour vous expliquer comment construire une compagnie solide. Donc déjà, ce qui est très important de savoir, c'est que je pense que la pierre angulaire de tout, c'est vraiment déjà les parties. Donc faites des parties virtuelles régulièrement, faites des démos à domicile. Pourquoi? Bah, vous allez avoir des ventes. Vous allez avoir des personnes intéressées à s'inscrire avec vous et c'est grâce à ça donc que des personnes vont s'inscrire et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir les sponsoriser et c'est ça qui va faire que votre compagnie va être solide. Donc faites des parties virtuelles en tout temps, proposez-le en tout temps. C'est du marketing de réseau, donc il faut que votre groupe ne cesse d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter pour que vous ayez toujours le plus de ventes et le plus de personnes qui se joignent à votre équipe. Il faut que vous construisiez donc votre marketing de réseau. Donc, vous avez à recruter, vous devez vendre, vous devez trouver des recrues. Et donc, le plus important, c'est de les éduquer. Vous devez leur expliquer comment ça marche, Unique. Vous devez leur donner les informations. Vous devez vous intéresser à elles, savoir quels sont leurs objectifs pour les pousser vers le haut. Et surtout, vous ne devez pas vous comparer. Si une personne est rentrée en même temps que vous avec Unique, puis qu'elle est déjà bleue, vous êtes toujours rose, c'est pas important du tout. Des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour vous réussissiez, des fois beaucoup moins selon le temps de chacun, selon votre rythme et puis selon quand vous l'avez décidé. Peut-être que tout d'un coup vous dites ça y est, c'est maintenant, j'ai décidé, je veux vraiment bâtir mon équipe, go, on y va. Et donc cette vidéo sera là pour vous au moment où vous l'aurez choisi de grossir et de faire en sorte que votre compagnie soit toujours en pleine croissance, en plein essor. Donc le plus important, c'est de savoir déjà qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans votre position de rose, jaune ou whatever, relax, et vous dites bah je laisse aller, ou est-ce que vous voulez vraiment réussir et est-ce que vous voulez faire en sorte que votre compagnie grossisse? Donc c'est des questions déjà qu'il faut vous demander. Les premiers pas déjà chez Unique, pour revenir à la base, pour que vous compreniez, c'est qu'il faut joindre, évidemment, il faut atteindre le jaune et il faut recruter. Donc, c'est des choses que vous devez apprendre à la personne qui va s'inscrire avec vous. Donc, quand elle va se joindre à vous, il faut que vous lui appreniez à atteindre le jaune et il faut que vous lui appreniez à recruter. C'est aussi simple que ça. Après, vous, quand vous voulez atteindre le rose, ben, ce sera grâce à ces personnes-là qui auront atteint le jaune et qui auront recruté que vous pourrez atteindre le rose. Pour atteindre le bleu, c'est pareil. Vous devez savoir qui c'est qui pourrait atteindre le rose, qui c'est qui pourrait atteindre le jaune, qui c'est qui pourrait avoir d'autres crues. Et c'est comme ça que vous aurez votre bleu pour atteindre le vert. C'est aussi simple que ça. Vous devez avoir une personne qui a atteint le bleu, 2 personnes qui ont atteint le rose et 1 ou 2 personnes qui ont atteint le jaune et vous qui avez fait vos ventes personnelles. Puis c'est fini, c'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est le leadership. Vous devez leader votre équipe, vous devez les éduquer, vous devez vous demander quelle personne doit atteindre le jaune ce mois-ci, quelle personne peut atteindre son fast start ce mois-ci, quelle personne est motivée et va atteindre son bleu puis qu'elle est rose depuis quelque temps. Vous devez faire des listes avec des noms. Vous devez être organisé, vous devez planifier pour ne pas être éparpillé. Vous devez savoir quelle personne veut atteindre quelle couleur et où vos premières recrues en première génération sont situées pour que vous puissiez les aider. Vous avez dans votre back office les numéros de téléphone de chaque personne inscrite et leur adresse courriel. Donc vous n'avez aucune excuse, vous êtes capable de les joindre. Vous êtes capable de leur demander quelle couleur tu aimerais joindre, quelle couleur tu aimerais avoir ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et regarder ensemble, faire un plan de match, regarder avec la personne, mais qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci pour atteindre ton bleu? Puis qu'est-ce que tu n'as pas fait le mois dernier qui a fait que tu ne l'as pas atteint? C'est aussi simple que ça. Donc demandez à vos personnes de l'aide pour qu'elles aussi puissent réussir. Et puis c'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce aux outils que vous leur aurez donné que ces personnes-là vont transmettre ces mêmes outils à d'autres, sachant que les personnes elles-mêmes ont déjà un bagage, ont déjà des outils. Toute personne qui intègre Unique a déjà des connaissances. Donc ça fait doublement de connaissances. Vous lui donnez les vôtres. Elle va avoir les siennes avec et puis elle va partager déjà les siennes plus les vôtres. Donc c'est énorme. C'est pour ça que c'est
c'est très important d'apprendre ceci tout de suite aux personnes que vous recrutez, de dupliquer ce que vous avez fait et qu'elles le dupliquent à leur tour. C'est unique, c'est un travail d'équipe et d'entraide. Ne pensez jamais y arriver tout seul, c'est impossible. Si vous faites votre chemin tout seul, vous allez aller droit dans le mur, c'est sûr. Il y a juste pas d'autre solution. Donc, aidez votre équipe pour que les autres personnes puissent aider leur équipe à leur tour. Puis, c'est pas important combien de personnes vous avez, 1, 2, 3, 4, il n'en faut pas beaucoup pour atteindre le noir, il n'en faut pas tant que ça non plus pour atteindre le vert. Le plus important, c'est que ces personnes-là soient motivées, qu'elles dupliquent ce que vous leur avez appris et qu'elles réfléchissent comme vous, qu'elles comprennent comment ça fonctionne, qu'elles se demandent à leur tour combien de personnes ça me prend pour être rose, combien de personnes ça me prend pour être bleu. Et c'est la même chose pour vous. Vous faites la même chose, celles d'en bas font la même chose et puis ça va en graduation. Donc plus les personnes sont motivées dans votre équipe, plus vous allez réussir. Et tout le monde sera content. Vos filles seront motivées, vous allez réussir et vous serez motivés pour elles. Donc c'est magique, moi j'adore faire ça, aider les personnes à réussir et puis moi ça m'aide également à réussir et ça aide encore d'autres personnes en dessous à réussir, c'est juste malade, c'est génial ce sentiment de pouvoir aider autant de monde. Donc prenez cette chance, soyez la meilleure sponsor que vous pouvez. Dans le fond, dans Ioniq, il y a trois choses très importantes, il faut vendre, il faut recruter et il faut être la meilleure sponsor que la personne n'ait jamais pu avoir. Donc, lisez, apprenez, regardez des vidéos, demandez à votre marraine tout le temps. Il n'y a pas de questions idiotes. Posez des questions à vos recrues, demandez-leur régulièrement si tout va bien. Soyez là avec elles, prenez-les par la main pour savoir où elles en sont puis qu'est-ce qu'elles voudraient faire pour réussir. Donc, le point, c'est vraiment de partager vos connaissances, partager. Donc, vous devez booker des parties, vendre, recruter, sponsoriser. Aussi simple que ça. Puis ça va marcher, c'est juste sûr. Donc continuez à pousser votre équipe, continuez à vouloir grossir, continuez à rêver. C'est comme ça vraiment que vous allez réussir. Donc construisez comme ça une compagnie solide. Plus vos personnes en dessous de vous seront solides, plus elles pourront enseigner à leurs filles en dessous comment être solides. Puis c'est comme ça que vous allez avoir une super belle entreprise de personnes qui comprennent ce qu'elles font et qui pensent de façon réfléchie, organisée, qui planifient pour pouvoir réussir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse, bye bye.